Alors, bonsoir. Ce soir, je vous présente une lampe à pétrole Royal Lux. Alors, vous avez le marquage de la lampe ici. Le réservoir se trouve à ce niveau-là. Vous remplissez avec du pétrole et pas de l'huile de friture, bien entendu. Car avec de l'huile de friture, vous allez cramer la mèche trop vite. Là, vous avez le bouton de réglage. Alors pour l'ouvrir celle-ci, vous appuyez sur la anse, ça lève la cheminée et ça lève le verre. Après, là on rabaisse pour, là vous avez la protection du verre que vous pouvez retirer comme ça. La mèche se trouve ici. Voilà. Vous donnez un coup de briquet pour l'allumer. Attends. Voilà. Une fois, vous redescendez le verre. Vous baissez. Voilà. Je vais éteindre la lumière. Je reviens. Ça donne ça comme lumière. Après, on joue avec la clarté. Voilà. Il y a un marquage au-dessus Royal Lux. Et une fois que tout est bien rallumé, vous remettez le protège-verre. Et ça tient 20 heures avec le plein du pétrole complet, c'est 20 heures. Voilà. Par contre, de temps en temps, il faut donner un coup sur le verre pour enlever le noir qui est dessus. Mais sinon, en dépannage, quand vous n'avez plus d'électricité, bah, ça sert. Voilà. Et pour l'éteindre. Voilà. Pour l'éteindre, vous tournez le bouton dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et c'est bon. Par contre, on peut mettre une mèche. C'est une mèche de. Je crois que ça doit être une mèche de 15 cm qui est dedans, ou 20 cm. Et une largeur de mèche d'épaisseur de 2 cm. Voilà. Et ça donne ça. Bon, c'est des vieux modèles, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Bonne soirée à vous.